Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors c'est une journée un petit peu particulière parce qu'il y a le journal Le Monde qui s'est déplacé pour faire un article sur l'association. Et malheureusement, arrivé sur site, il y a eu un barrage d'ouvert pour remonter le niveau de la Sarthe et on a quasiment plus d'eau pour pêcher. Donc voilà, donc on vous montre ça tout de suite. Bon bah en attendant, je suis là. Elle est là la photographe. Non ? Non, c'est caméraman moi. Donc là le pêcheur il vient chercher son épuisette qui était tombée, donc c'est Pikachu qui s'en occupe. Allez, jolie trouvaille, vélo. Mmh. Va sur le pont si tu veux, Maxence. Allez, un vélo. C'est pas d'aujourd'hui. Allez, on va aller le chercher. Je vous emmène avec moi. Hop, hop, hop. Ah voilà. Allez, faut laisser faire celui-là. Un joli vélo. Tu vas être un petit peu en retard pour le Tour de France. C'est ça. Mais au moins celui-là, il est sorti. Et attends, les mots. Hein ? Donc là, vélo pour toi. Donc Pikachu. Tu veux quoi pour Donc là, une poubelle, une chaise pliable, des barres de fer, des grilles, un morceau de canne à pêche. Non, même pas, c'est une canne pour marcher. Donc voilà, Cyril il est là, number one. Il remonte les objets qu'Aurélien a trouvé en dessous avec Théo. Une poubelle, une chaise. Là, il y a une barre. Gris, Jessie il est là aussi. Émilie elle fait des Scooby-Doo avec la corde. Exactement, pied fini. Là on a Rémi d'Angers qui est venu aujourd'hui. Là je vous présente quelqu'un, c'est un jeune youtubeur. Alors. Salut. Lui c'est Diego. C'est Dima YouTube. Voilà, Dima YTB sur Facebook, sur YouTube, pardon, il a sa petite chaîne aussi. Je vous mettrai le lien dans la description. Donc il est là. Vous avez vu, il a sorti un vélo, c'est sympa aussi. Son vélo, il est là, je le remonte. Voilà. Et il va passer l'après-midi avec nous. Il a pêché il y a quelques semaines avec les copains de chez Normandie Détection aussi. Donc on va voir. Donc là on a David et Maxence qui nous ont rejoints pour la journée, pour l'après-midi, qui sont venus aussi pêcher un petit peu. Voilà. Donc là les gars ils sont en train d'intervenir. Voilà, et voilà. Fifi va finir à l'eau. Eh ben même pas. Celui-là il va aller dans ta ferraille. Bon allez un vélo. Non. Celui-là il y a plus de pioche. Un joli panneau, bravo Seb. Bon Rémi il revient les mains pleines. Il est allé aider Pikachu. Un barbecue. Un petit barbecue. Apparemment il y aura un porte-monnaie. On va voir ça.
Il n'a rien. Il a, un porte-monnaie. Quand tu vois que t'as déjà pas bu, tu veux te prendre une cuite? Voilà, alors une trouvaille, un porte-monnaie, on va voir si y a quelque chose. Normalement il a été fouillé donc il n'y a plus rien dedans. Voilà. Donc celui-ci, on pourra pas le restituer. Mais au moins, c'est sorti de l'eau, c'est déjà pas mal. Là les gars, ils sortent un pneu, il y a des cônes de chantier qui ont été sortis. Là c'est une bouche d'incendie carrément. Ah ouais, c'est bien ce que je comprends. Ah non, c'est pas une bouche d'incendie ça. Si. Ah bah ça, c'est la première qu'on fait ça, putain. Ouais, Robin s'il te plaît. Super, c'est bon. Merci. Donc là, la bouche d'incendie, première fois. Elle est vieille. Hein. Ouais, c'est une vieille bouche d'incendie à mon avis ça. Ouais. Tu fais comme ça. Ça va être plus simple. Ouais. On fait en même temps, 1, 2, 3. Donc là, Sébastien a localisé un chariot qu'on extrait. 1, 2, 3. Attendez les gars là, pas très fort. Alors Rémi, il commence à être rodé. Il sait comment intervenir. Seb, tu fais attention là, si ça se retourne, ça va tomber. Hein. Ça c'est extrait, nickel. Bon, c'est pas comme si on n'avait pas l'habitude des caddies. Hein. Des caddies, maintenant on sait comment les extraire. Donc David qui est là, il relance le grappin pour Sébastien. Sébastien, de nouveau quelque chose. Ok. Encore un train, il y a un vélo dans le secteur. Ouais. Rémi, viens, ouais, viens l'aider parce que là c'est un 4. Voilà, là on a un 4 de scooter. Rémi et David, ils s'entraident pour l'extraire. Eh ben on va être sauvé. Doucement, voilà. Allez, un 4 de scooter en moins dans la flotte, les gars. Et une petite tire, hop. Et une petite douche pour les pattes. Qui c'est qui veut aller à la pêche, papy? Ah bah tiens, moi j'aime bien là. Alors attends, je vais essayer de me placer correctement pour la filmer avec toi. Vas-y. Alors. Ah, une belle petite bébête. On a l'habitude aussi d'en trouver. Ah, jolie. Allez hop, elle repart à l'eau, celle-là. Ah ouais, bah allez. On va la montrer aux enfants. Ouais. Allez, mets pas tes doigts, il y a des pinces. Hein. Pince, hein. Allez hop, on la refout, alors. Youhou. Allez, 4 de vélo. Rémi à l'action. Rémi, montre-nous que t'as des bras, bordel. Ça, c'est la salle, ça. Ah. Allez, 4 de vélo. Ça commence à sortir, c'est bon, ça. Dès que Seb est dans l'eau. Allez Rémi, on arrive au bout. Joli Rémi. Allez, encore un vélo, un cadre en moins. Bon, Seb nous a trouvé un parasol. Accordé, hey, accordé à ta combinaison. Hein. Et c'est pas moi qui ai trouvé. Ah, c'est Jean-Marc. Ouais, mais Jean-Marc, il est tellement timide qu'on le voit pas. Seb. Bouge pas Diego, Diego t'es bloqué, regarde. Seb il arrive, il va venir t'aider tout de suite. Alors je le redis, Diego il a sa chaîne YouTube, je remettrai le lien dans la vidéo. Hein, donc n'hésitez pas à regarder. Ah Pika, essaye de le vider un peu. Il y a Pika, il va prendre les chiffres, il va prendre les billets. C'est bon, il est plus dans la vase, il n'y a plus qu'à le vider JP. Faut que tu mettes à quoi, pour le mettre à l'envers.
Attends. Lucas, Lucas, laissez la corde à Jean-Marc accrochée en dessous. Non, mais on a juste à tirer les roues. Laisse la corde, elle est déjà bien. Tirer les roues vers l'arrière. Défais la corde. Oh là là, allez pour enlever une bière à nous, mais pourquoi il fait jamais de bruit? Comment ça s'attache? Attends, on va pouvoir tirer les cordes. Ah mais c'est toi qui les cordes, faut pas bien attacher du tout. Hein. Abandonne la chaîne! Ils sont en train de tirer la corde, là, ils vont lever! Allez, ne lâche pas les gars! Eh, on les a brûlés là, c'est dans la corde, là, pour fumer! Moi aussi, je vous aime, les gars! Eh, les gars, décalez-vous parce que si ça retombe! Ah, mais c'est pas grave! Ça va pas les embellir hein. Aide-les avec les cordes. Ah, il y a la plaque encore. Ah, c'est un petit, il faut tout faire, bouge pas.
Double BMW 40, c'est sympa. Et non, par contre là. C'est bon, les gars. Là, il y a du boulot. En dessous. Il a voulu. C'est un truc, il y a un bélier à Bernard. Ouais, ils veulent récupérer en plus. Ils ont un bélier à remonter. Ouais, bah. Tiens, ouais, c'est. Ça va être tendu, hein. Ouais, déjà, le jaune, ça fait ralentir parce que ça froid. Ah, il y a un saut qui devait déranger. On a rentré, hein. Degré ou de force. Ça y est. Rentrez, l'enculé. Bon, ils sont un peu vénères, là. Allez, rentrez, mais pas gentil. Rentrez. Je suis réveillé, rentrez. Non, mais il va... Il va lever l'avant, ouvrir les portes, ploum, il a déchargé. Devant, devant. Optimisation de l'espace. Si on fait ça comme ça, on peut passer. C'est bon, on peut encore mettre deux chariots et une trotte là. Mais mets-toi en face là-bas aussi pour pousser là-bas. Qu'on fait. Tu peux la décaler. Eh, hey, si tu coules. Oh là, barré, Anthony. Oh là, oh. Les gars, à demain la mer. Là, demain la mer. Là, il a un trou, il part. Ah oui, bah oui. Il va d'abord
Quel coulis là. Non, ça en passe pas, c'est bien pour toi. Ouais, vas-y, l'optimisation de l'espace. La palme. La palme d'air. Et flat qui se barre. Gueule. Hein? Hein?